L'association représente 108 entreprises. Au niveau du salon, on est 37 exposants, un peu comme l'année dernière. L'effet du salon, tu me disais, il y a plus d'exposants, non, il n'y en a pas plus, sauf qu'on a, redisposé les stands différemment. Et ça fait un salon qui est plus convivial. Au niveau de l'association, la grande nouvelle, c'est qu'on va changer de nom. Donc ça, c'est un scoop qu'on a commencé à diffuser ce week-end. Donc on change de nom parce qu'il y a plein d'adhérents qui ne sont pas vraiment des artisans mais qui viennent quand même nous rejoindre. Et pour leur rendre un peu l'appareil, on va changer donc le nom de l'association. Donc on devient l'association des acteurs économiques du Piémont Oloronais. On est une société spécialisée dans la menuiserie. Donc on fait tout à l'UV et PVC. Donc on fait tout ce qui est volets roulants, fenêtres, en rénovation. Après on fait aussi la gouttière aluminium qui est ici. Donc on a fait pareil sur des maisons neuves ou en rénovation. On pose aussi des portails, portillons. On fait du lambris aussi, qui est juste derrière là-bas. Après, on est aussi spécialisé dans le sablage et décapage de meubles. Et on s'est lancé récemment aussi dans la pergola bioclimatique. Voilà, donc on peut voir ici des images juste là. Donc voilà, c'est un nouveau système aussi qui est pas mal. Ça permet d'avoir une pièce en plus hiver ou l'été. C'est vraiment un produit d'avenir, pour l'avenir, je pense. Alors, notre spécialité, c'est la plomberie, le chauffage et la ventilation. Donc, on a ouvert un nouveau créneau cette année qui est la salle de bain clé en main, parce que c'est un concept qui plaît aux gens. Les gens, maintenant, ne veulent pas plusieurs interlocuteurs, veulent un seul interlocuteur pour faire une salle de bain. On a eu pas mal de demandes, donc on s'est attelé sur ce point-là, à faire le placo, le carrelage, l'électricité, tout ce qui concerne la salle de bain et pouvoir donner à nos clients la situation d'avoir une salle de bain clé en main avec un seul interlocuteur. On s'occupe de tout et avec des partenaires qu'on a ou nos salariés. Et après, on a pris aussi le créneau de vendre des jacuzzis parce que c'est un manque qu'il y a sur le secteur ici à Oloron. Donc on s'est dit pourquoi pas, c'est un essai, c'est un pari, voilà, ça marche pas. C'est juste pour essayer. On s'est associé avec une usine espagnole qui n'est pas très loin, qui est à Valence, quoi, à Castellon plus principalement, qui nous assure un SAV, qui nous envoie les techniciens en cas de panne. Et voilà, c'est important, surtout vendre le jacuzzi, c'est une chose, mais c'est surtout le SAV par la suite. Donc c'est pour ça qu'on a proposé ce produit. Et aussi pour le salon, ça embellit un peu. Voilà. Mais écoutez, nous aujourd'hui l'entreprise ANJ, on est porté. Suite au climat, on fait de la climatisation pendant l'été et on vous fait du chauffage pendant l'hiver. Donc on a différents systèmes de chauffage et différents systèmes de climatisation pour répondre à tout votre confort pendant toute la saison. Nous faisons également de l'isolation de combles en soufflage dans les greniers de combles perdus. Et nous faisons également tout ce qui est service après-vente, dépannage, panne, entretien de chaudière, tout le suivi de vos appareils de chauffage et de climatisation. Et nous faisons également des salles de bain clés en main avec des confrères artisans, carreleurs, peintres, et on s'occupe de tout. Alors la collaboration qu'on a cette année avec l'APO, donc l'association des artisans du Piémont Oloronais, est importante parce que c'est une première et ils ont accepté, c'est le lancement officiel de l'application Le Cirque de Noël pour une application de jeu qui est sur smartphone avec la première nationale pendant ce salon des artisans à Oloron qui permet à tout le monde de gagner des places, entre autres des places du Cirque de Noël, des lots du cirque, mais pas seulement, des lots de chaque exposant qu'il faudra aller chercher chez eux, évidemment, puisque le but c'est de tourner dans le salon et de voir tout le monde. C'est très important pour la ville, c'est très important pour nous parce que c'est quelque chose d'innovant, c'est complètement inédit. Cette confiance qu'on a les uns envers les autres est très importante aussi pour la culture, mais pas seulement, pour le ludique et pour les bonnes affaires.